Bonjour à tous. Les signes de cancer pour le tirage pour le mois de juin général. Et écoutez-vous, les cancers, vous êtes beaucoup l'intuition. Ouvrez votre intuition. Les clés, déjà, laissez-vous ouvrir, écoutez-vous et tirez peut-être les messages et l'univers qu'il voit beaucoup de messages pour essayer, écoutez-vous. Il y a un nouvel départ. Les changements positifs, si vous êtes éloigné de quelqu'un, ou soit vous libérez un attachement de passé, quelque chose qui change dans votre direction, nouvel départ pour vous. Essayez, écoutez-vous, il y a un changement professionnel chez vous. Alors, j'utilise général et pour les sentimentales, je mets ici général pour le cancer. Alors, le cancer, votre mois de juin. Hop, je ne voulais pas prendre comme ça. Aujourd'hui, j'ai mis comme ça. Alors, 9 cartes. J'utilise prendre 9 cartes générales. Voir si j'ai besoin, je prends. Alors, mes amis, si le cancer, s'il ne parle pas pour vous, si peut-être ce n'est pas pour vous. Regardez peut-être l'autre vidéo, peut-être ça va parler pour vous. Alors, le message pour le cancer général. Les nerfs de terre, c'est quelque chose qui vous réussit à porter un succès professionnel ou matériel. Il y a un équilibre, décision prendre. Peut-être professionnel qui vous êtes besoin d'avancer, faire confiance en soi pour avancement. Et quelque chose que vous voulez peut-être faire un projet ou soit c'est un poste de travail, peut-être monter à un poste de travail, devenir un responsable d'une entreprise, chef d'entreprise, si quelqu'un a une montation dans votre travail. Il y a quelque chose qui avance pour vous. Vous êtes la volonté de prendre cette décision de changement. Et la route, ça va tourner pour vous, votre destin, la chance. Essayez d'utiliser cette chance. Vous êtes beaucoup les chances. Il y a les cancers, cette mois de joie. Vous êtes protégé. Votre vue, il y a un changement. La seconde, c'est le changement qui commence. Vous êtes la volonté, si vous êtes dans le passé, vous ne sentez pas en sécurité par changement. Quelque chose, les 10 de couple, c'est les changements, la réalisation, les changements dans le couple. Il y a quelque chose qui change. Pourquoi vous ne sentez pas en sécurité dans le passé matériel? Peut-être l'argent qui vous êtes beaucoup les doutes. Alors, je tire encore une carte. Ça, c'est peut-être dans votre sentimental, partagé avec quelqu'un. Vous doutez beaucoup dans cette relation. Et c'est un choix à faire dans votre vie amoureuse. Les doutes, ce n'est pas professionnel, c'est sentimental chez vous. Alors, les décisions, vous tendez une décision, soit une relation amoureuse, peut-être un choix. Une séparation ou un choix, peut-être prendre cette décision pour peut-être donner une chance dans votre relation et commencer nouveau départ avec cette personne. Si vous êtes difficulté dans le couple, il y a un retour, le commencement, quelque chose de nouveau avec cette personne. Alors, si vous êtes dans le travail, il y a un changement dans votre travail, un souhait réalisé, l'espoir, vous êtes beaucoup l'espoir. Pour cette poste de travail, peut-être il y a un changement de poste, soit une place comme chef d'entreprise ou quelque chose, une augmentation de votre travail. Et vous êtes beaucoup travaillé et peut-être vous êtes une personne sage et quelqu'un qui le sait professionnel, que je vois ici. Alors, on passe le sentimental pour le cancer, d'abord pour les célibataires. Les célibataires à l'homme, si vous êtes le cancer à l'homme, ou soit l'homme proche de vous, sentimental, il y a un engagement, un mariage avec cette personne, ou soit quelqu'un
qu'elle a beaucoup la joie dans cette relation, quelqu'un qu'il signe, qu'elle décide peut-être un mariage avec vous, si vous êtes déjà dans le couple, et quelqu'un qui vous êtes longtemps avec cette personne, peut-être cette personne qu'elle demande un mariage. Ouais, c'est une personne qui était loin de vous, peut-être il retourne. Il retourne la joie, il retourne le bonheur dans le couple avec cette personne. Si vous êtes célibataire, vous ne restez pas longtemps célibataire parce qu'il y a un engagement avec cette personne. Si vous êtes longtemps ensemble, cette personne qui a un retour, cette relation, une demande ou un engagement avec cette personne. Cette personne, soit l'homme, soit une femme, c'est égal, hein, les célibataires. Pour les gens dans le couple qui sont déjà mariés ou soit déjà dans le couple, votre relation besoin vraiment examiner la relation, quelque chose qui vous a envie peut-être partir à l'étranger avec cette personne. Cette personne qui a un test ou une décision à prendre pour partir ensemble à l'étranger, mais la peur, les cauchemars, peut-être vous êtes fait beaucoup de cauchemars pour cette situation, si c'est votre partenaire qui décide partir à l'étranger. Alors, vous voyez plus clair maintenant, vous êtes une personne plus claire, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que cette personne elle est prête à partir? Quelqu'un qui l'a enlevé, peut-être éloigné, à vous prendre cette décision, elle a besoin de calme, besoin la méditation, le calme, l'esprit pour prendre cette décision. C'est quelqu'un qui veut partir à l'étranger avec vous, soit seul. Si vous êtes en difficulté à communiquer avec cette personne, à vous prendre une décision, et c'est quelqu'un qui a besoin vraiment d'un changement dans sa vie. Il a envie peut-être changer les vies, changer la vie complètement, partir à l'étranger. Peut-être il a marre de cette vie, ou soit cette pays, qu'elle veut changer le pays, partir l'étranger lointain. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de vacances aussi. Peut-être vous prenez une vacance pour réfléchir à ce que vous voulez partir à l'étranger, vivre dans l'autre pays. Si vous êtes peur de changement, vous êtes protégé. Cette carte, c'est la protection. Égal quel domaine qui vous êtes choisi. Si vous choisissez partir à l'étranger, c'est positif pour vous. Peut-être qu'elle a besoin vraiment partir un petit peu de vacances pour réfléchir. Alors, les gens qui sont séparés, les cancers, la séparation, quelqu'un qu'elle protège. Cette séparation qu'elle fait vos peurs, vous êtes angoissé, vous protégez-vous maintenant, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à laisser une chance à quelqu'un d'autre, ou soit cette personne, on verra les autres cartes. C'est quelqu'un qui sont jugés ou sont pas justes, cette séparation, qui pour ça, vous avez besoin de se protéger, vous. Et c'est quelqu'un qui vous êtes resté longtemps avec cette personne. Soit un divorce, soit une séparation, soit c'est quelqu'un que vous sentez, c'est pas juste cette personne qui vous est restée beaucoup d'années et peut-être elle est partie. Ou elle a pris une décision, une séparation ou un divorce. Vous voulez protéger votre les enfants. Vous les protégez par ce divorce, ou soit par cette séparation, par cette décision. Vous les déménager, peut-être changer. Changer les vies parce que cette séparation elle fait beaucoup de peur. C'est quelqu'un qui sent peut-être un beaucoup l'attirance vers vous, mais quelqu'un physique, la plus physique, quelqu'un qui doit prendre cette décision, c'est l'éloigner de vous, soit qu'il a demandé un divorce, soit cette personne. Que vous êtes éloigné ou vous êtes demandé de divorce, c'est peut-être cette personne qui n'était pas fidèle. Mais c'est quelqu'un qui veut retourner, hein? Quelqu'un qui veut retourner à la maison. Et pour moi, je vois un retour. C'est quelqu'un qui a l'attirance, beaucoup l'attirance vers vous, sentimental, peut-être plus physique, hein? Quand je vois quelqu'un qui l'attire vers vous.
C'est quelqu'un qui rature, mais il y a quelque chose qui se passe entre vous et cette personne, c'est rature. C'est quelque chose vraiment physique que je vois ici. Mais il y a quelque chose que vous voulez peut-être donner une chance à cette personne à cause des enfants. Peut-être vous voulez changer votre vie pour protéger les enfants pour ce divorce. Et c'est quelqu'un qui vous a vécu beaucoup la nuit avec cette personne. Et cette personne peut-être retourne à la maison familiale qu'il a avec vous déjà les enfants que je vois ici, les concerts. Alors le conseil pour vous, le conseil en signature, nouvel contrat pour vous. Nouvel contrat, nouvel travail, changement de travail. Si vous cherchez de travail, le cancer, il y a un nouvel travail, un changement de direction, changement professionnel, c'est positif. Vous signez un nouvel contrat. Voilà le cancer, c'est votre tirage pour mois de juin. Prenez qu'est-ce qu'elle parle. Si elle parle pas, c'est peut-être c'est pas pour vous. Gardez l'autre signe, peut-être votre soleil, votre lune. Merci beaucoup si vous voulez me partager, abonnez-vous.